Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars et que vous entamez le mois d'avril de belle façon. Alors le printemps est arrivé, très contente, j'espère que vous êtes aussi contents et contentes que moi. Surtout les personnes qui vivent dans des pays où il fait froid, où il y a la neige, on est bien content d'accueillir le printemps. Alors, avant de commencer, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois d'avril 2019 pour le signe de la balance. Alors, bienvenue les balances, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je tiens à vous répéter que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous êtes en train de vivre présentement dans votre vie. Alors, je vous conseille d'aller voir le signe, la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Et vous pouvez toujours me rejoindre également à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour recevoir votre tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs. Donc voilà. Également, j'ai toujours ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que les tirages, et c'est important de le dire, que les tirages sont des tirages de probabilité, que ce n'est pas coulé dans le béton. Alors, je ne veux pas que les gens voient une fatalité dans les tirages, mais plutôt la possibilité d'entrevoir justement les choses qui peuvent arriver. D'accord? Donc, vous avez toujours le choix de changer quelque chose qui ne vous plaît pas. D'accord? Alors voilà, on va commencer tout de suite avec le tirage pour vous, les balances. Alors aujourd'hui, le tirage s'adresse à certaines personnes, certaines balances. Et ça concerne probablement la relation amoureuse actuelle hein, pour certains d'entre vous. Donc on commence ici avec le 6 de coupe. Alors ça commence fort, c'est-à-dire que on voit que vous êtes nostalgique de quelqu'un de votre passé, d'accord? Vous n'arrêtez pas d'y penser depuis quelque temps. Peut-être que vous aviez une relation auparavant qui n'a jamais été vraiment achevée ou bien n'a pas été achevée de la façon que vous auriez voulu. Et vous avez toujours gardé des sentiments pour cette personne-là, mais vous avez quand même réussi à passer à autre chose hein, et à vivre d'autres relations amoureuses. Dans votre tête, on voit ici, hein, vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier, hein, c'est la recherche d'équilibre, c'est le fait de jongler entre deux choses. Hein. Et donc ici, dans ce tirage-là, c'est qu'on voit que dans votre tête, vous jonglez entre votre partenaire actuel et votre ancien partenaire. Hein? Votre cœur est un peu hésitant. Pourtant votre relation actuelle n'est pas... vous n'êtes pas dans une mauvaise relation, mais simplement le fait d'avoir commencé à penser, à repenser à cette personne-là de votre passé, on dirait que ça vient déséquilibrer un peu votre relation actuelle. D'accord? On continue ici avec le 5 de coupe. Alors, le fait d'avoir des pensées hein, pour l'autre pour votre ancien partenaire de vie, bien, vous avez des remords ici avec le 5 de coupe. Hein. Vous avez des remords de vous laisser aller à ce genre de pensée, mais en même temps, vous regrettez que l'autre ne soit plus dans votre vie. Donc, vous avez en même temps des remords, vous avez des regrets. D'accord? Donc, vous regrettez le fait de ne plus être avec l'autre personne, mais vous avez des remords de penser, d'avoir ce genre de pensée-là. Hein? Parce que vous n'êtes pas... votre relation actuelle, ce n'est pas parce que vous manquez d'amour pour votre partenaire actuel, hein, qu'il soit homme ou femme. C'est simplement parce que vous pensez à l'ancien. On ne sait pas exactement pourquoi, c'est vous qui le savez en fait, depuis combien de temps que la relation
c'est terminé, depuis combien de temps que votre relation actuelle a commencé. Donc ça, c'est dépendamment de chacun, hein. On continue ici, on a la belle carte de l'impératrice inversée. Donc, le fait qu'elle soit inversée, bien, ça nous indique que probablement, peut-être, hein, ce n'est pas nécessairement ça, mais peut-être que vous avez été infidèle déjà. C'est possible que vous ayez déjà été infidèle à votre partenaire actuel, avec votre ancien partenaire ou avec quelqu'un d'autre, hein. Parce qu'on va le voir un peu plus loin. Parce que vous avez eu un moment de frivolité, en tout cas, que ce soit avec votre ancien partenaire ou avec quelqu'un d'autre, vous avez été infidèle peut-être, ou bien vous avez eu des idées d'infidélité. Et pourquoi? C'est qu'on voit ici avec le 4 de coupe que vous vous ennuyez actuellement dans votre relation, hein. C'est ça le problème principal de votre relation actuelle, c'est l'ennui. Peut-être que vous espériez plus de cette relation-là. Peut-être également que il y a une certaine accoutumance qui est arrivée, des certaines habitudes qui se sont installées. Et vous voyez que la relation dans votre relation, il n'y a pas assez de piquant, donc vous vous ennuyez et vous pensez à la relation passée. D'accord? Alors, ici, le conseil, ça vient avec la carte de la justice inversée. D'accord? Le conseil ici, c'est d'être juste envers vous-même, mais d'être juste aussi envers votre partenaire actuel. D'accord? La façon de faire ça, c'est de peser le pour et le contre. Pesez le pour et le contre de votre relation actuelle. Qu'est-ce qui vous manque pour sortir de l'ennui? Qu'est-ce qui vous manque pour arrêter d'avoir des pensées infidèles? Qu'est-ce qui vous manque pour arrêter aussi d'être hésitant ou hésitante, hein, et d'arrêter de penser à un ancien partenaire ou une ancienne partenaire? Alors, pesez le pour et le contre de ça. Évaluez aussi quel serait l'impact si vous faiblissiez devant votre désir, hein, de revoir cette personne-là. Quel en serait l'impact? N'oubliez pas, mes chers amis, que je ne veux pas vous dire quoi faire ici, hein, mais simplement vous éveiller à une certaine réalité, peut-être qui n'est pas la vôtre, ça c'est à vous de déterminer. Mais n'oubliez pas que souvent, quand on a quitté quelqu'un ou quand quelqu'un nous a quittés, c'est que la relation n'allait plus bien. D'accord? Alors, oui, on peut avoir eu de la difficulté à accepter la rupture, à accepter le départ de l'autre, hein? Et parfois, ça vient nous hanter. Mais n'oubliez pas que c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, si jamais vous décidez de retourner vers cet ancien amoureux ou cette ancienne amoureuse, peut-être que les choses n'auront pas changé tant que ça non plus. D'accord? Alors, il faut évaluer ça aussi. Donc, de peser le pour et le contre de tout, de votre relation présente et de l'impact que ça pourrait avoir si vous retourniez dans les bras de l'autre personne, de votre ancienne flamme, si je peux dire. D'accord? Donc, c'est vraiment le conseil d'être juste envers vous-même, d'être juste envers le partenaire actuel, hein, parce qu'on voit ici que votre partenaire actuel, c'est une personne fiable. C'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. Alors, non plus du conseil d'être juste envers vous-même et envers lui et de peser le pour et le contre, je vous conseillerais en plus de ça de prendre le temps de discuter avec lui ou elle, hein, de parler avec votre partenaire, d'être vraiment, d'avoir un cœur ouvert et de dire vraiment qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous ennuie. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le piquant revienne? D'accord? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous ne pensiez qu'à lui ou qu'à elle? D'accord? Il faut vraiment avoir de la communication, assez d'amour pour vous-même et pour l'autre pour bien communiquer, pour dire ce qui vous manque.
On voit ici aussi avec le 6 d'épée inversée que vous allez peut-être reconsidérer le fait d'avoir une bonne discussion avec votre partenaire. Hein. Peut-être que vous allez reconsidérer le fait de vouloir une rupture avec cette personne-là, avec votre partenaire actuel. Peut-être que vous allez reconsidérer le fait de vouloir revoir cette personne-là du passé. Hein. Peut-être qu'après tout, vous allez décider que ça n'en vaut pas la peine. Alors ça, c'est à vous de décider ça. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup trop investi tous les deux hein, dans votre relation actuelle pour y mettre un terme. Parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup d'investissement de la part des deux personnes et de la part aussi de votre, c'est-à-dire de votre part autant que de la part de votre partenaire actuel. C'est une personne fiable ici, d'accord? Donc, vous avez aussi des buts communs. Hein? Vous avez peut-être plusieurs buts communs que vous vouliez atteindre ensemble. Alors, le fait de peser le pour et le contre ici, mais peut-être que vous allez reconsidérer votre décision de quitter cette personne-là pour retourner dans quelque chose que vous avez déjà connu et qui n'a pas fonctionné. D'accord? Vous avez beaucoup trop en jeu ici. Mais comme je vous le dis toujours, c'est vous qui détenez la clé de votre destinée, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Ici, ce ne sont que des pistes de solutions, ce sont des conseils qu'on peut vous donner. Qu'on veut vous donner. Maintenant, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous ou qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. D'accord? J'ai pigé aussi deux cartes, une carte des messages des anges, archanges et maîtres ascensionnés pour vous et aussi une carte d'affirmation pour vous guider, vous aider ou vous éclairer. Alors, la première carte, qui est le message des anges, archanges et maîtres ascensionnés, c'est la carte rayon rose. Alors, la carte du rayon rose vous dit « Demandez l'aide de l'archange Kamaël afin de vous aider à pardonner, à vous réconcilier et vous imprégner d'amour inconditionnel. » Alors, voyez-vous le beau message et le beau conseil ici? Demandez. Quand vous allez peser le pour et le contre et quand vous allez réfléchir ici avec la justice, demandez l'aide de l'archange Kamaël pour qu'il vous aide à pardonner. Pardonnez à votre partenaire peut-être de ne pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mais prenez en considération que peut-être que votre partenaire ne sait pas qu'il vous manque quelque chose. Peut-être qu'il ne se rend pas compte ou elle ne se rend pas compte qu'il vous manque quelque chose. Hein? Alors, c'est pour ça que c'est important de communiquer. Alors, demandez l'aide de l'archange Kamaël afin de vous aider à pardonner votre partenaire, à vous réconcilier avec lui ou avec elle et aussi à vous imprégner d'amour inconditionnel l'un pour l'autre. D'accord? Alors, voilà la carte. Je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette belle carte du rayon rose. Alors, ça vous dit, « Le rayon rose est rempli de grâce et de calme. Il aide à exprimer la gratitude et la beauté en toutes choses. Toute peine ou ressentiment vous nuisent et vous affaiblissent. Ce rayon vous aidera à pardonner, à vous réconcilier avec le passé pour la plus grande joie de votre âme et pour un futur rempli d'amour. » Alors, voyez-vous, hein, la chose à faire, premièrement, avant de vous arrêter pour peser le pour et le contre, de trouver le calme en vous. Ensuite, faites cet exercice de peser le pour et le contre, hein, de voir vraiment l'impact que cela aurait. Et aussi, ce rayon rose vous aide à exprimer la gratitude et la beauté de ce que vous avez déjà. D'accord? Si vous êtes en peine ou vous avez des ressentiments en vous, ça vous nuit et ça vous affaiblit. Alors là, l'importance de bien communiquer avec votre partenaire.
qui va, ce rayon-là va vous aider aussi à pardonner à votre partenaire ou et à pardonner peut-être à l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire aussi, hein, et vous réconcilier avec le passé. Vous réconcilier avec le passé, ça ne veut pas dire nécessairement de retourner dans les bras de cette personne-là, mais tout simplement d'accepter le passé tel qu'il est, d'accord, et de passer à autre chose aussi. Et pour enfin vous sentir rempli d'amour avec ce rayon rose. J'ai pigé également une carte d'affirmation qui peut vous aider, vous guider ou vous éclairer dans ce tirage-ci. Alors la carte, c'est la carte action. Donc voyez-vous le conseil qu'on vous a donné de discuter, de parler, de communiquer avec votre partenaire actuel. Action vous dit... Cessez d'hésiter, hein? Cessez d'être dans l'hésitation, dans la jonglerie, hein? Cessez. Le mouvement crée la magie. Alors, le mouvement ici, c'est de passer à l'action dans la communication, dans la discussion avec votre partenaire. Rien ne peut vous retenir. Alors, discutez ouvertement avec votre partenaire. Gardez à l'esprit tout ce que vous avez investi tous les deux dans cette relation-là. Et sortez de l'ennui, hein. Proposez aussi des choses. N'attendez pas simplement que l'autre vous sorte de votre ennui, mais proposez des choses à faire avec votre partenaire. Faites des choses aussi vous-même, hein. N'attendez pas toujours que votre partenaire soit présent ou présente pour combler le vide que vous ressentez. Faites des choses que vous aimez pour vous. D'accord? Alors, voilà le message pour vous, mes chères Vierges, ce mois-ci, le mois d'avril. Alors, si je retire du jeu les cartes, les arcanes mineures, hein, tout ce qu'il me reste, c'est deux arcanes majeures. Alors, c'est l'impératrice inversée et la justice. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand problème là-dedans? C'est probablement vos idées d'infidélité, si vous n'êtes déjà pas passé à l'action, hein, bien sûr. Alors, de faire attention à l'infidélité. Et aussi, la justice, hein, donc le fait de ne pas être juste envers vous-même et envers votre partenaire. Vous devez remettre cette carte-là à l'endroit, la carte de la justice. Pesez le pour et le contre des deux possibilités ici qui sont devant vous. D'accord? Soyez juste envers vous-même. Soyez juste envers votre partenaire également. D'accord? Donc, évaluez l'impact que tout ça pourrait avoir sur votre vie et celle de l'autre aussi. Donc, voilà, mes chers amis, ça termine votre tirage pour le mois d'avril. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il a pu vous apporter des pistes de solutions, qu'il a pu éveiller quelque chose en vous également. Et j'espère que ça aura pu aussi vous éclairer sur la façon de réagir face à cette situation-là. D'accord? Alors, je vous remercie de votre écoute habituelle. N'hésitez pas à liker la vidéo, même si le message ne vous correspondait pas en totalité. Peut-être que d'autres personnes aimeraient recevoir ce message-là. Alors, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Et aussi, n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure et mes tarifs également. Donc, merci de votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Prenez soin aussi de votre relation, mes chères balances. Et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.